Bac de flotte, bac de huile, bon lui je vais juste le brancher mais comment dire, je vais juste le monter mais il sera pas branché, c'est ça que je veux dire. Et là le problème que j'ai c'est ici, alors je vous montre, voilà, j'ai tout ça dans le vent, ça accélère à partir de là. Après bon voilà, ça accélère quoi, mais on va dire j'ai ouais, j'ai au moins 5 cm dans le vent. C'est pas le bon câble pour la bonne machine, n'est-ce pas? Je pense que ça se voit quoi. J'ai voilà quoi, j'ai 5 cm de câble entre. Donc je peux faire trouver une solution pour voir comment faire. Alors je sais pas si vous l'avez montré, j'ai monté ça déjà. Parce que d'origine c'est là-dessus, donc voilà quoi. Le régulateur redresseur, parce que je vais avoir l'allumage qui arrive de là, je vais le faire passer le long là. Les trois fils sortis vont arriver là-dessus et les trois autres fils ils vont arriver là-dessus. Donc voilà, la flotte, je l'ai fait passer par là au mieux parce que je voulais pas la faire passer derrière l'amortisseur, il n'y avait pas moyen. Donc du coup, je vais la faire passer là. Là, je mettrai un petit riselant pas serré parce que ça c'est fixe, il n'y a que le bas qui bouge forcément. Donc voilà, le pot je l'ai vendu donc c'est bon parce que là-dessus c'est des pots de 50 et 125, c'est les mêmes. Sauf qu'il rajoute une bride pour aller sur le 50. Ça c'est bon. J'ai mis ça. Ça je vais le recouper là parce que. Voilà. En fait, il faut que la poignée elle arrive au ras. Donc le ras, ben, ça sera là, je pense. Tout ce boudin là, je pense que je vais l'enlever. En attendant, ou au pire, en attendant, je le laisserai, je verrai. Voilà, ça prend forme un peu, c'est bien. Là, je suis en train de rebattre sur le réservoir. Après, il faudra que je rattrape ici, là. J'irai chercher du mastic pour stopper l'écaille de la peinture. Et puis voilà quoi. Bon, ben, je continue.